La famille, urgent, urgent. Aujourd'hui, on va parler de cette photo de commandant Alia, l'ancien élément des forces spéciales et le fameux Michel Lama. Comme vous le savez, la famille, il y a quelques jours, on a vu sur les réseaux sociaux, surtout une révélation de Haji le King concernant la mort de Michel Lama. Il n'est pas le seul à faire cette révélation sur la toile. Mais la famille, comme vous le savez, cette photo de colonel Mamadi Doumbouya et ses deux éléments des forces spéciales qui est commandant Alia et Michel Lama. D'abord, on va commencer par le cas du commandant Alia. Commandant Alia, dès après le coup d'État du 5 septembre, était accusé de vol, comme vous le savez. Ce dernier était emprisonné à la maison centrale de Conakry avant d'être envoyé à Soronconi, en Haute-Guinée. La famille, il y a eu beaucoup, beaucoup de rumeurs concernant le cas du commandant Alia. Comme vous le savez, ce dernier, on ne le voyait pas depuis plusieurs mois. On ne voyait pas ce dernier. On peut dire même depuis la prise du pouvoir, on n'a plus revu en public, en tout cas, le commandant Alia. Des forces spéciales. Et la famille Papatra, on voit maintenant commandant Alia qui réapparaît aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya pour fêter la fête de fin d'année. Tout d'abord, même avant de voir commandant Alia, c'est un communiqué qu'on a vu déjà sur l'étoile concernant la grâce présidentielle accordée à commandant Alia Camara. La famille, mais moi, tout d'abord, cette photo, je vois vraiment quelque chose qui se cache derrière cette apparition du commandant Alia. Comme tout le monde, je demande tout le monde de voir la photo du commandant Alia là où il est avec le colonel Mamadi Doumbouya. Ça se voit clairement sur le visage de ce dernier, comme quoi il n'est pas du tout content. En tout cas, ça se voit réellement sur la photo. Ce dernier n'est pas du tout à l'aise aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya. C'est comme si on l'a forcé de venir ici, là où il est. Concernant Michel là-bas, on voit quand même ce dernier qui est vraiment content. On le voit, il est souriant, mais commandant Alia, ça se voit réellement sur son image, sur son visage. Qu'il n'est pas du tout content. Mais même aussi l'image du colonel, ça se voit clairement que ce dernier aussi, en tout cas, on sent qu'il n'y a pas la joie, en tout cas. Mais la famille, alors, je vous invite à voir cette vidéo encore de Haji le King. Il va un peu nous parler de cette apparition de commandant Alia et Michel Lama aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya. Hein? On fait venir des éléments de la forêt, des sages, Paradis Yamine, pour négocier. Ah! Dadis est en prison. C'est pas bon. Claude Pivi en cavale. C'est pas bon. On dit Michel est mort. C'est pas bon. Bon, il faut faire sortir Michel pour taire tout. Hey, esprit CNRD. Sachez une seule chose, qu'au reste des Guinéens, et que là où je suis, tout le problème de ce régime, c'est de remonter à mes sources d'information. Tout le problème, c'est de remonter à mes sources d'information. Je ne peux pas venir m'asseoir ici, vous raconter tout. Je ne peux pas venir ici, vous relater des sources d'infos. Que ça m'a été signalé. Merci de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Si j'avais pas fait vidéo, si j'avais pas dit Michel, s'il n'est pas mort de faire sortir, vous pensez que vous allez voir Michel? Quelqu'un qui a tué toute la famille de Claude Pivi. Même avant-hier, il a tué. La femme du neveu de Claude Pivi. Avant-hier, il a tué la femme
du neveu de Claude Pivi. Hé, hey, Mamadi, tu peux manipuler les Guinéens. Wallahi, tu ne peux pas manipuler les vrais Guinéens. Ceux qui te connaissent, ceux qui savent, oui, que tu n'es qu'un vaurien. C'est ça la vérité. C'est ça, assassin criminel. Je ne vais pas arrêter de le dire. Je n'arrêterai jamais de le dire. Tu n'es qu'un criminel, assassin. Aussi simple que ça. J'ai sauvé la vie de Michel, et y compris Ali Camara. Oui, parce que vous êtes là. Les médias sont fermés. Espace ne travaille pas. Dioma ne travaille pas. Film ne travaille pas. Tout le monde est fermé. Vous regardez qui? Si ce n'est pas moi, si ce n'est pas Ansou, si ce n'est pas Benito. Maintenant, pour que vous laissez tomber tout, pour qu'il reste au pouvoir, faire ce qu'il veut, je le lance un défi, hein, pour qu'il me réponde. Et il finit par me répondre le 1er janvier pour qu'on fasse de sa buzz. Maman dit, je vais bien arranger ton buzz là. Hey, je vais bien laver ça. Tu vas comprendre que moi, mon moral est bon. C'est comme quand tu partais faire ton coup d'état, ton moral était bon là. Mon moral est bon, calme, tranquille. Tranquille. Aussi simple que ça. Tout le monde m'envoie photo. Et deux ans. Vous ne pouvez pas monter à mes sources, jamais de la vie. Vous ne pouvez pas remonter sur eux. Jamais de la vie, vous ne pouvez pas remonter sur eux. Voilà. Je vous ai montré que je suis et reste et demeure king dans ce domaine et que je maîtrise ce blog. Ma stratégie a fonctionné. Aussi simple que ça. Le peuple, vous avez vu Michel, non? Le peuple, vous avez vu Ali, non? Ok, ils sont libres. Qu'on les laisse partir. Et le vrai combat à gagner reste ton départ, Jordan. Reste et demeure ton départ. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. Un assassin criminel vient quand il veut me défier. Hey, tu peux fermer les... Tu as fermé les médias, mais tu ne peux pas fermer ça. Parce que, hey, j'ai refusé tout. J'ai tout refusé. Des gens se font passer par moi. Ils les arnaquent là-bas. Il y a des gens au Sénégal ici. Hein, je vais vous dire les noms. Des petits bandits peuls qui se font passer par moi. Les prendre de l'argent. Les bouffent. Faire croire que c'est moi. Après, quand ça devient chaud, chaud sur eux, on m'appelle maintenant. On me dit, ah King, tu as parlé avec tel, tel. Là, il faut parler avec tel. Je ne le fais pas. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas trahir mon peuple. Là où je suis, alhamdoulilah, je vis et mange, dors bien avec ma petite famille. La bataille la plus importante reste ton départ. Tu peux en être sûr et certain que tu vas partir. Car tu n'es pas celui qu'il faut à cette Guinée. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Le petit Amara, et Allah, le discours que Alain Foucault a écrit, le discours que Alain Foucault a écrit, ce n'est même pas sorti du palais. Et ce n'est même pas sorti du palais. Le discours que Alain Foucault a écrit pour vous, le vieux mogot Alain Foucault, il démissionne du RFI, vient à Conakry prendre nos mines avec un bandit criminel qui est au pouvoir. Non, le vieux là, c'est une déception. Alain Foucault, c'est une déception. Le discours que Jordan a lu hier, là, c'est écrit par Alain Foucault. J'ai ça aussi. J'ai une probité morale très importante. Ma bataille reste et demeure la protection de mes sources. Pour en aucun cas, je ne vais mettre la vie de ces gens-là en danger. En aucun cas pour vous. En aucun cas. Ouais. En aucun cas, je vais les mettre en danger. Vous pouvez en être sûr et certain, c'est dans la tombe que ça se saura. Parce que là, tout est visible. Aussi simple que ça. Maintenant, je vais montrer les photos que vous regardez tous. Bonne fête et bienvenue. On reste focus sur l'essentiel. Le défi que j'ai lancé à Mamadi Doumbouya, de faire sortir Michel Lama, il a fait sortir, il a même ajouté Ali Camara là-bas. Ok, c'est bon, il y a... pas de problème. Mais sache que tu ne peux pas tromper le vrai peuple. Tu n'es qu'un assassin
criminel. Voilà. Criminel, le massacre que tu es en train de faire derrière la famille de Claude Pivi. Tous les massacres, les gens qui sont tués aujourd'hui, tout ce que tu es en train de faire. Vous ne pouvez pas remonter à ça, Jordan. Tu ne peux pas remonter à ça. Tu ne peux pas remonter à ça, jamais de la vie. Hein? Tu ne peux pas remonter à ça. Maintenant, il y a une chose que je vais dire. Et cette chose, c'est quoi? Vous qui êtes dans l'esprit du peuple, ça fait 2 ans. L'homme est sur ça. Les 2 années-là, félicitations, joie. Bonne heureuse année. Les 2 ans-là. Hein? Tout ce que j'ai donné, vous avez tout vu, non? 2 ans. Car, ou bien, vous qui êtes dans l'esprit du peuple, pas dans l'esprit du CNRD, vous qui êtes dans l'esprit du peuple, 2 ans, tout ce que j'ai donné, vous avez tout vu. Ou bien, ok. Maintenant, si cette stratégie, il fait sortir Michel, relève mon défi, et que vous-même vous dites que, ah, que je mens, je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour vous, vous qui êtes dans l'esprit du peuple. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le gars n'est qu'un manipulateur, un trompeur. Maintenant, voici la photo de Michel Lama avec Jordan, avec tout le monde. Voici. C'est Mamadi même qui publie ça sur sa page. C'est Mamadi qui publie ça sur sa page. C'est Jordan qui publie ça. Ici, on a Ali. On a Ali. On a Giba Diakité. On a l'homonyme que Jordan n'a jamais vu. Son homonyme. C'est hier qu'il a vu son homonyme là. C'est hier. Le fils de Ali Camara, c'est hier qu'il l'a vu, le petit là. On a la femme de Ali. On a Jordan. On a la femme de Jordan. On a Amara. On a Michel. On a la femme de Michel. La dame, je ne la connais pas. Maintenant, cette photo est publiée par Jordan sur sa page officielle à lui. Cette photo-là. Après, il y a une autre photo. Cette photo, dans une autre angle. Celle-là, c'est la même photo. Mais, c'est publié par des militaires qui sont à vos côtés. Vous voyez, il y a un gars qui tient son téléphone là. Ils veulent tous prendre. Ça, c'est des éléments des forces spéciales qui sont en train de prendre photo. Parce que eux-mêmes, ils ne voyaient pas ces amis-là, leurs amis-là. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils ne voyaient pas que ça-là, ça allait se faire, que la stratégie-là a été montée de faire sortir les gars, les mettre en costume, comme si tout allait bien. Et que tout est enterré. Maintenant, cette photo a beaucoup circulé. Maintenant, quand vous regardez cette photo, vous dites que oui, ça va, tout va bien. Hein? Michel est là, Ali est là, Djiba est là, tout le monde est là. Maintenant, je vais vous montrer une photo d'une autre angle, d'une autre personne qui a pris ça dans le palais. Vous allez voir la vraie réalité de cette photo qui est cachée derrière. Si tout va bien. Voici la vraie photo, la vraie réalité de la photo que vous voyez. C'est-à-dire, les angles qu'on a coupés, on a coupé à partir de Ali ici et à partir de Michel et la dame au fond. Maintenant, pourquoi tous ces gardes-là, armés jusqu'aux dents, arrêtés à côté de Ali, tous ces gardes-là, arrêtés vers Michel Lama? Pourquoi? Si tout va bien, les gardes n'ont rien à faire ici, c'est les éléments des forces spéciales. Pourquoi Jordan n'a pas publié cette photo, la fâche cachée de cette photo? Pourquoi tu n'as pas publié ça, Mamadi? Pourquoi les gens ne publient pas ça? Pourquoi on publie seulement la partie
hein, où on voit Ali arrêté, où on voit Michel arrêté, où on voit tout le monde arrêté. La stratégie mal organisée pour me contrer, moi, pour me défier, hein, Jordan, Jordan, tu vas partir. Ça, tu peux en être sûr et certain.